Bonjour à toutes et à tous, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, madame la présidente de la Commission nationale du débat public, mesdames et messieurs. Toute la révolution industrielle a consisté à remplacer les énergies renouvelables ancestrales, le bois, le vent, l'eau, l'attraction animale, par les énergies fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz, au rendement énergétique bien supérieur. Tout notre niveau de vie, notre santé et notre longévité en sont issus. Nous savons aujourd'hui que ces énergies fossiles, massivement utilisées depuis la fin du XIXe siècle, étaient à la fois remède et poison. Remède pour une humanité libérée comme jamais de la misère, de la faim et de l'usure du corps. Mais poison pour l'atmosphère que les gaz à effet de serre réchauffent inexorablement, sans parler des pollutions atmosphériques locales. Les travaux du GIEC, depuis des décennies, démontrent avec toujours plus de certitude la catastrophe climatique qu'impliquerait la continuation de notre modèle. La transition énergétique n'est plus un choix parmi d'autres, mais une obligation figurant dans la stratégie nationale bas carbone ou l'accord de Paris de 2015. Le Haut Conseil pour le climat, mis en place par le président de la République, ne cesse de nous rappeler à nos engagements. Repasser des fossiles aux renouvelables, même modernisés, n'est pourtant pas une simple reconversion industrielle. Les énergies fossiles avaient parmi de multiples avantages celui d'être quasiment invisibles pour leurs consommateurs, qui, dans nos contrées et de nos jours, voient un oléoduc, un gazoduc, une mine de charbon, un puits de pétrole. Et pourtant, il s'agit là du sang de nos sociétés, sans quoi la mobilité, l'agriculture ou l'industrie telles que nous les connaissons deviennent impossibles. La grande majorité de l'énergie consommée dans notre pays est toujours quasiment invisible et immatérielle. Revenir aux énergies renouvelables implique donc un retour à l'ancrage territorial de nos sources d'énergie, à la matérialité et à la visibilité de nos consommations dans nos paysages familiers. Force est de constater que les éoliennes et le photovoltaïque, qui sont les énergies renouvelables les plus prometteuses, posent dès lors des conflits d'usage du sol et de l'espace, rencontrent des résistances de la part des riverains en raison de nuisances souvent réelles. L'acceptabilité du basculement vers les énergies renouvelables suppose bien plus qu'une réorientation industrielle. Un nouveau contrat social qui nous fait redécouvrir que l'énergie est une production politique et sociale, où les uns sont avantagés et les autres défavorisés, comme nous le rappelle cruellement notre dépendance énergétique dans la crise engendrée par l'actuelle guerre en Ukraine. Un nouveau contrat social entre les plus riches, qui émettent bien trop de gaz à effet de serre, et les plus pauvres, qui, bien malgré eux, sont déjà au niveau requis. Entre les urbains, les périurbains et les ruraux, dont les besoins énergétiques et l'exposition aux nuisances sont très différents. Entre les jeunes générations, alertées sur les questions climatiques, et les plus anciennes, qui peuvent avoir du mal à comprendre l'ampleur des changements nécessaires. En somme, l'acceptabilité à laquelle notre Assemblée, en tant que société civile organisée, est particulièrement sensible, sera un facteur clé d'une transition énergétique dans un esprit de justice sociale, pour reprendre les termes de la question posée à la Convention citoyenne sur le climat. C'est pourquoi cette saisine gouvernementale du CESE a tout son sens. Il est besoin de trouver une nouvelle stratégie, car le temps presse et plus que jamais nous devons retrouver une souveraineté énergétique. Nous devons changer en quelques années, construire un nouvel écosystème de l'énergie.
Nous ne sommes plus cependant dans les 30 glorieuses. La croyance au progrès ou la croissance infinie n'est plus partagée. La méfiance à l'égard des grands projets, quels qu'ils soient, est à un niveau sans précédent. Il ne suffit pas d'expliquer mieux pour se faire comprendre. Il est donc urgent d'articuler à nouveau l'intérêt général et l'acceptabilité locale, de répartir au mieux bénéfices et inconvénients. Il n'y a pas d'énergie parfaite, mais il peut y avoir une énergie juste, à la fois pour la planète et pour nos concitoyens. La transition énergétique invite donc à un nouveau contrat social, un nouvel aménagement du territoire, une nouvelle représentation de nos productions et de nos consommations énergétiques. C'est à quoi s'est employé cet avis ? Je laisse la parole au président de la Commission, Sylvain Boucheran, avant de la donner aux co-rapporteurs Claire Bordenave et Nicolas Richard. Sylvain. Bonjour et merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je vais aborder trois points, ce sur quoi nous avons travaillé, comment nous avons travaillé et les suites perspectives que l'on a pu identifier. Alors pour démarrer, il y a quelques mois, le Premier ministre a vu la nécessité de saisir le CESE sur une problématique essentielle, celle du développement des infrastructures, de la transition énergétique et des questions d'acceptabilité sociale que l'on observe aujourd'hui. Alors pourquoi ? D'abord, la France s'est fixé un cap et des objectifs pour la transition énergétique, par exemple le développement des ENR, des énergies renouvelables, et l'on constate que nous ne sommes absolument pas sur la bonne trajectoire aujourd'hui. Et alors qu'il faudrait accélérer la dynamique de cette transition énergétique, pour des raisons climatiques bien sûr, nous sommes toutes et tous ici, je pense, déjà conscients, les projets rencontrent un certain nombre de difficultés pour voir le jour du fait d'opposition et de défiance. Au-delà de l'impératif climatique, la triste période de guerre que nous vivons en ce moment nous exhorte plus que jamais à nous rendre complètement indépendants des énergies fossiles. Et pour cela, il est vrai que les ENR sont le seul levier à très court terme. Pour sortir de ces difficultés, il nous a paru fondamental d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de méthode, mais aussi plus largement de choix majeurs pour l'avenir, ce que nous avons voulu faire apparaître dans le titre. Les modalités de travail ont voulu faire une large place au débat, aux auditions, aux échanges, et ainsi la Commission Environnement a procédé à un travail approfondi en donnant une place à un nombre important d'acteurs sur les multiples aspects de cette problématique, dont certains sont présents aujourd'hui à cette plénière. Nous avons vu les pouvoirs publics, Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Madame Joanneau, présidente de la CNDP, Madame Battesti, présidente des commissaires enquêteurs, Monsieur Le Danvic, président de l'autorité environnementale, Monsieur Le Sueur, commissaire général au développement durable, mais aussi la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, ou encore l'ADEME. Nous avons eu les collectivités territoriales, des associations, des régions, des départements, des intercommunalités, de l'AMF, plusieurs maires également. L'avis s'appuie sur des travaux des Césaires. Nous avons vu des acteurs des secteurs économiques, des experts, des syndicats d'énergie renouvelable, par exemple, mais aussi des sociologues, anthropologues, qui nous ont donné une lecture très complémentaire de ces problématiques. Et puis enfin des acteurs associatifs et de terrain, parmi lesquels des partisans et des opposants. Et puis tout de même, nous voulions prendre par nous-mêmes la mesure de la réalité. D'ailleurs, on peut faire un petit sondage. Qui habite ici à moins d'un kilomètre d'une éolienne, d'un méthaniseur, plus largement d'une infrastructure de production d'énergie ? Qui a le bras coincé ? Non. Pas grand monde. Alors justement, on a voulu aller sur le terrain et nous avons organisé un déplacement à Trans-sur-Erdre, dont je remercie le maire d'être présent également aujourd'hui, en Loire-Atlantique, pour aller voir sur place
des parcs d'éoliennes terrestres et échanger avec des représentants, des services de l'État, des organismes publics, des associations de terrain, des habitantes, des habitants, pour et contre ces projets, et certains d'ailleurs y ayant investi personnellement et d'autres y étant opposés. Nous avons, je crois, bien travaillé, et je vais ici bien sûr remercier les co-rapporteurs, Claire Bordenave et Nicolas Richard, ainsi que son perroquet qui a parfois animé nos réunions, et bien sûr toute la commission, les équipes et toutes les personnes qui ont permis de traiter ce vaste sujet et qui a abouti à ce projet d'avis. Pour finir, mon troisième point, ce travail s'insère plus largement dans les travaux de la commission environnement, faisant suite à l'avis sur le climat, neutralité carbone, justice sociale, sur le projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et pour renforcer la résilience. Il fait également écho à notre résolution de novembre dernier pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité, qui insistait par exemple sur la nécessité de traiter en cohérence et de manière intégrée les enjeux climatiques et de biodiversité. Et puis nos travaux ont fait émerger d'autres aspects que nous avons simplement effleurés ici, mais qui mériteront, je pense, d'être traités dans notre assemblée. Par exemple, les modes de vie, l'enjeu de la sobriété, la nécessité d'un vrai débat public national indépendant sur le mix énergétique qui pourrait, je crois, se faire en collaboration entre le CESE et la CNDP, Commission nationale du débat public, les enjeux liés à la ressource en eau ou encore à la préparation de la SFEC, la stratégie française énergie-climat qui a été annoncée par le gouvernement. Nous sommes en train de préparer des notes de cadrage sur ces derniers sujets, donc nous en reparlerons bientôt. J'invite maintenant les co-rapporteurs à me rejoindre et en attendant, je vous propose d'écouter la ministre Barbara Pompili. Merci à toutes et à tous. Si nous voulons lutter efficacement contre le réchauffement climatique, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc sortir des énergies fossiles. À mon sens, les projets d'énergie renouvelable qui associent collectivités territoriales et citoyens sont une innovation essentielle à la transition énergétique. Et c'est la clé d'une meilleure appropriation par les citoyens de ces énergies qui ne sont plus vues comme une contrainte imposée d'en haut, mais comme un projet collectif. Passer d'une contrainte imposée d'en haut à l'appropriation d'un projet collectif, c'est la recommandation que nous fait la ministre Barbara Pompili. C'est-à-dire, du point de vue des populations directement concernées, passer d'une transition ressentie comme subie à une transition choisie. C'est cette dimension que nous avons voulu mettre en exergue dans cet avis, acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique, transition subie, transition choisie. Nous avons cherché des pistes d'amélioration tant au niveau national, garant de l'atteinte des objectifs globaux de la transition énergétique, qu'au niveau local, qui vit au quotidien la mise en œuvre opérationnelle de cette transition. La transition énergétique implique ainsi de remplacer les combustibles fossiles importés par des énergies décarbonées produites en France, qui constituent ces nouvelles infrastructures d'ENR très visibles. Elles modifient les paysages, ainsi que les équilibres entre les territoires, soit davantage producteurs d'ENR, soit plutôt consommateurs de ces ENR, de ces énergies produites par les ENR. Mais pour voir le jour, les projets doivent être portés, financés, autorisés et acceptés. Bien sûr, les projets d'ENR ne rencontrent pas tous des difficultés locales, et certains se déroulent très bien. En revanche, quelques projets emblématiques et de nombreux projets locaux ont soulevé de vives contestations, faisant tache d'huile jusque dans des territoires exempts d'installations. Afin d'essayer de comprendre ces situations, nous sommes allés à la rencontre d'acteurs de terrain pour entendre leur point de vue et prendre la mesure in situ de ces projets, d'autant plus que, comme vient de nous le dire notre président, eh bien, nous ne sommes pas concernés souvent directement par ces infrastructures. Regardons un court extrait de ce déplacement en Loire-Atlantique. Nous avons beaucoup de projets sur la commune et aux alentours, ce qui pose justement la problématique des frontières des projets qui sont parfois limitrophes et sur lesquels notre position est plus ou moins retenue ou pas. On a des projets qui sont bloqués pour des raisons de biodiversité, d'autres qui sont en cours de démontage
suite à des erreurs dans le béton, sur les sols béton. Enfin voilà, on a beaucoup de problématiques très diverses et ça interpelle beaucoup la population. Je souhaiterais que ça soit débattu de manière plus collective, plus planifiée, qu'il y ait des échanges effectivement qui ne se passent pas uniquement entre porteurs de projets privés et État, que les communes, les collectivités de communes, les syndicats d'économie mixte, que sais-je, enfin que la population soit un peu plus impliquée à la fois économiquement et démocratiquement, et ça c'est sûr. Le parc fonctionne depuis janvier 2016. C'est un projet 100% citoyen. L'acceptabilité ou la non-acceptabilité, elles apparaissent peut-être un peu plus maintenant, parce que les gens posent un peu plus de questions sur les problèmes de bruit, sur le problème aussi de sauvegarde de l'environnement. Nous suivons attentivement ce qui se passe sur notre territoire. On est pleinement mobilisé sur la notion d'acceptabilité de ces projets-là et la notion de saturation du paysage pour pouvoir avoir un vrai regard et une vraie objectivité sur la nature des projets actuellement. Et aujourd'hui, les projets actuels vont considérablement dénaturer le paysage. Il faut absolument qu'on soit dans la concertation et que les parcs éoliens ne soient pas uniquement sur un territoire. Nous avons eu au CESE des débats nourris autour de cette notion, souvent perçue négativement. S'agit-il pour les décideurs de faire accepter une décision déjà prise ou de maîtriser une opposition qu'ils ne cherchent pas suffisamment à comprendre? Nous avons entendu les pouvoirs publics, des porteurs de projets, des riverains, des sociologues, et l'acceptabilité nous est apparue bien plus riche que le syndrome NIMBY, c'est-à-dire « pas à côté de chez moi », auquel on la réduise parfois. Elle fait appel à une dynamique sociale qui dépasse les points de vue individuels, mais qui doit permettre leur expression pour la recherche de l'intérêt général autour de valeurs partagées. Elle commence à se forger bien en amont d'un projet précis. Quand reste possible une négociation sur sa légitimité, ses modalités, et y compris l'alternative de ne pas réaliser le projet. La concertation doit donc se dérouler dans un calendrier compatible avec de réels échanges sur le fond, et l'acceptabilité est donc un processus participatif qui conduit à l'acceptation ou au rejet d'un projet. Nous avons choisi de centrer cet avis sur les énergies renouvelables, qui sont une composante de la transition écologique et une composante de la transition énergétique. Plus précisément, nous traitons des projets relevant du code de l'environnement et localisés à l'écart des densités humaines, en zone agricole ou naturelle, comme nous venons de le voir sur la vidéo. Comme demandé par la saisine, la question de l'éolien terrestre est amplement abordée. Et c'est d'ailleurs la forme d'énergie renouvelable qui cumule le plus de motifs de blocage. Pour autant, nous sommes convaincus que les préconisations en vue de favoriser son développement pourraient s'appliquer à d'autres énergies renouvelables ou même à d'autres types d'infrastructures. Quel constat avons-nous donc tiré de ces échanges et des autres auditions et entretiens que nous avons eus ? La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement sont des préoccupations majeures des Français. Mais la solution apportée par les ENR a pu être imaginée, à tort, comme une forme d'écologie de proximité. Or, les ENR se révèlent souvent avoir des caractéristiques industrielles, soit par leur taille imposante, une éolienne aujourd'hui ça fait plus de 200 mètres de haut, soit par leur nombre, trois éoliennes peuvent être acceptées sur un territoire, mais plus les suivantes jusqu'à l'encerclement peuvent poser de gros problèmes d'acceptabilité, soit par leur emprise foncière, comme un grand parc photovoltaïque de 1000 hectares ou un parc éolien offshore, ou encore le trafic incessant de camions pour alimenter un gros méthaniseur. Toutes ces installations provoquent des nuisances locales et ont des impacts sur les paysages, la biodiversité, voire génèrent des craintes sur la santé humaine ou animale. Les projets d'ENR se développent surtout dans des espaces ruraux, tandis que la consommation énergétique se concentre dans les grandes zones urbaines. Une partie de la population rurale peut avoir le sentiment de subir des inconvénients de la transition énergétique et des pertes d'aménité avec des projets imposés sans y voir de bénéfices directs. Les projets souffrent d'un déficit d'ancrage territorial. Pas de filière française de fabrication, trop peu d'emplois locaux générés, une fiscalité pas assez incitative pour les territoires et qui ne correspond pas bien
au périmètre des impacts et à leur qualification. Ce sont d'autant d'obstacles pour une transition socialement juste et la réduction des inégalités. Les habitants ont parfois des attentes décalées, espérant que les projets servent à alimenter prioritairement la consommation locale et à moindre coût. En lien avec une communication souvent maladroite, les territoires dits à énergie positive, par exemple, ils le seront parfois, mais auront toujours besoin d'être raccordés au réseau national pour pallier les variations de la consommation et de la production. L'échelle énergétique de la transition est celle du territoire national. Il ne s'agit pas d'isoler des zones qui auraient des gisements de vent, de soleil, de celles qui n'en auraient pas, sans quoi les grandes villes seraient bien démunies. La légitimité des projets est toujours questionnée. Énergie renouvelable ou plutôt du nucléaire, de l'éolien ou plutôt du photovoltaïque, pouvez-vous me garantir que ce projet que vous me proposez, où il y a le même dans la région d'à côté, que les efforts sont bien répartis, partagés entre régions, entre zones urbaines et zones rurales, entre individus. Et les débats sont souvent sans fin, car ils ne sont pas tranchés au niveau national avec la participation du public. Cela empêche souvent d'aborder des enjeux réellement locaux. Au final, les projets se développent au gré des initiatives de développeurs, souvent avec un déficit de concertation amont et sans garantie aucune que la somme de ces projets permettra de répondre à nos objectifs nationaux, et encore moins régionaux parce qu'ils n'ont pas été déclinés. Et nombre de ces projets mal acceptés sont alors confrontés au temps long de la justice, ralentissant encore la mise en œuvre de la transition. Cet avis explore ainsi la notion d'acceptabilité en fonction des acteurs et des échelles, du global au local, afin de proposer 23 préconisations complémentaires, à même, selon nous, d'améliorer l'acceptabilité des projets, mais aussi de la transition énergétique elle-même. Ces préconisations s'articulent autour de 3 dimensions permettant de favoriser l'expression éclairée de tous les publics en amont des projets locaux et du programme national de transition énergétique. D'abord, une dynamique descendante, ou top-down, d'aménagement du territoire permettant d'objectiver les orientations nationales, légitimées par une participation du public, de fixer les contributions régionales, de clarifier la nature d'intérêt général des projets d'ENR et d'éviter les principaux impacts très en amont. Ensuite, une dynamique ascendante, ou bottom-up, permettant au territoire de décliner localement la transition énergétique dans toutes ses dimensions, énergie renouvelable, sobriété, puits de carbone, de faciliter l'appropriation locale des projets et d'accélérer leur mise en œuvre. Enfin, un accompagnement socio-économique permettant un partage équitable des retombées et des efforts entre individus, ainsi qu'une compensation des déséquilibres entre territoires induits par ces nouvelles infrastructures, grâce à des contrats de réciprocité. Cela reviendrait à revisiter le contrat social territorial implicite qui existe aujourd'hui entre l'urbain, le périurbain et le rural. Alors, donc la première partie de notre avis comprend 9 préconisations autour d'une approche à partir du niveau central, donc ce que Nicolas a appelé en bon français le top-down. Et donc, en substance, le CESE estime nécessaire de s'inscrire dans une trajectoire d'aménagement du territoire lisible et partagée. Alors, ceci implique une planification nationale qui clarifie comment va se massifier le développement des énergies renouvelables. Elle doit être pilotable et permettre de détecter et corriger rapidement toute déviation. Elle devra ensuite être déclinée par les régions, puis les collectivités, en objectifs tout aussi lisibles et pilotables, prenant en compte les spécificités des territoires et la vision qu'ils se font de leur avenir. Le CESE insiste sur l'importance du rôle de stratège planificateur de l'État pour ne pas laisser la majorité des projets d'énergie renouvelable se réaliser au coup par coup, au gré d'opportunités privées, dans un marché de vive concurrence, mais s'appuyant sur des aides publiques élevées. L'État doit en assurer la cohérence, donner de la visibilité aux porteurs de projets et inscrire les énergies renouvelables dans un contrat de service public. Cette planification doit inclure également le développement de la filière industrielle, soutenue par des clauses dans les appels d'offres. Les emplois attendus sont un levier essentiel pour une transition socialement juste, et il conviendra de les vérifier. Ils diffèrent beaucoup selon les filières. À ce jour, par exemple, ils sont très faibles pour le photovoltaïque, mais beaucoup plus importants pour la méthanisation. Il faut également donner de la visibilité sur ce que seront nos modes de vie au bout de cette trajectoire, pas seulement l'évolution de la production d'énergie,
mais aussi l'évolution de la consommation d'énergie, quelle efficacité et quelle sobriété sont attendues. Et surtout, plus largement, comment vivrons-nous ? Notre logement, notre mobilité, nos loisirs, notre façon de travailler et notre façon de faire destin commun. Il faut donc prendre le temps d'un grand débat public national sur la stratégie française énergie-climat, dont personne n'est oublié, pour exprimer ce récit collectif guidé par l'intérêt général. Ceci afin que lors de l'examen de projets concrets, la concertation locale ne soit pas l'occasion de remettre en cause la trajectoire globale qui a déjà été débattue puis décidée à l'échelon national. Le CESE considère que la planification de la transition énergétique doit aussi aborder la répartition juste et équitable des efforts nécessaires et des retombées attendues entre les ménages, entre les régions et entre les acteurs économiques. Aujourd'hui, les ménages les plus modestes sont ceux dont les émissions de gaz à effet de serre sont également les plus modestes, notre président l'a rappelé, ce qui peut résulter souvent de privations. La transition ne peut pas s'accompagner d'une croissance des inégalités, elle doit être au contraire l'occasion de les réduire. Les efforts demandés aux foyers sous le revenu médian doivent être particulièrement accompagnés et permettre une amélioration de leur qualité de vie. C'est pourquoi nous appelons notamment à affecter une partie des taxes perçues sur les énergies renouvelables à la lutte contre la précarité énergétique, et il semblerait même que la Cour des comptes soit disposée à y réfléchir aujourd'hui. Cette planification stratégique et spatiale, nécessaire pour organiser le développement des ENR dans les territoires, doit être moderne et répondre aux impératifs de démocratie de proximité. Elle laissera aux territoires la capacité de choisir leur transition et d'améliorer l'ancrage local des projets en termes de retombées socio-économiques et d'intégration paysagère. Le CESE recommande ainsi de favoriser l'organisation de concertations locales volontaires, climat, énergie, paysage, pour déterminer la contribution des territoires aux différents leviers de la transition énergétique. Organisée par les élus, en direction des parties prenantes du territoire, établie à partir de diagnostics sociaux, environnementaux, paysagers, patrimoniaux, ces moments d'acculturation aux enjeux de la transition devront permettre de déterminer les orientations locales entre plus ou moins d'ENR et plus ou moins de sobriété, sachant que moins de l'un obligera à faire plus de l'autre. Ces concertations, adossées par exemple au PCAET, Plan Climat, Air, Énergie, Territoriaux, viseront à déterminer des terrains possibles de moindre impact environnemental et paysager, susceptibles de voir s'installer des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou des méthaniseurs, et à déterminer les modalités d'appropriation locale, énergie citoyenne, société d'économie mixte, société coopérative, charte d'engagement avec les développeurs. La maille territoriale de ces concertations pourra être souple du moment qu'elle garantit une unité culturelle et géographique, ainsi qu'une bonne représentation et participation des publics. Ce pourra être un parc naturel régional, un département, un regroupement de PCI, d'intercommunalités. Une fois ce cadre posé, c'est-à-dire garantissant avant même le projet qu'un moindre impact a été recherché et qu'un consensus local existe, il faudrait permettre une procédure accélérée pour la réalisation des projets. À défaut d'une telle concertation territoriale volontaire, le CESE recommande qu'une concertation préalable au projet d'éoliennes ou autres ENR soit systématiquement organisée de manière à prévenir les éventuels blocages, même quand le Code de l'environnement ne l'impose pas, comme dans la majorité des projets d'éolien terrestre, par exemple. Le CESE appelle l'attention sur la nécessité de garantir une représentation équitable de tous les publics, rappelant que les procédures de participation par voie électronique ne peuvent pas remplacer les procédures physiques, car elles rendent invisible une forte proportion de la population. On pourrait penser que ces phases de concertation volontaire ou réglementaire allongent le délai de mise en œuvre et de mise en exploitation des projets et s'opposent à l'urgence climatique, stratégique ou programmatique. Il n'en est rien. Au contraire, c'est souvent le défaut de concertation qui crispe les riverains ou les associations et amène à des procédures contentieuses à rallonge. Il faut savoir prendre le risque d'une vraie concertation de qualité en amont des projets, au moment où il reste des marges de manœuvre, pour gagner du temps sur la phase aval. Réduire ces temps de contentieux est aussi un enjeu, et le CESE propose la mise en place d'un médiateur des ENR, tout comme il demande d'adapter les moyens des services de l'État aux défis de la transition écologique. Alors, nous avons évoqué l'intérêt général comme moteur implicite d'acceptabilité de la transition énergétique.
S'il est bien entendu une condition nécessaire, il risque de ne pas être suffisant, car le développement massif d'énergies renouvelables va introduire de nouveaux déséquilibres entre les territoires. Certains produiront plus d'énergie, ou ils offriront des puits de carbone, d'autres modifieront plus leurs usages. Il importe donc de réfléchir à la mise en œuvre d'un contrat social de réciprocité entre les territoires autour d'un modèle économique équilibré et équitable. Le CESE souligne l'importance d'équilibrer les efforts, les externalités négatives comme positives, et de garantir un accès équitable aux services publics, offrant des alternatives décarbonées aux modes de vie et de production qui doivent évoluer. En premier lieu, le CESE préconise de clarifier dans les programmations pluriannuelles de l'énergie, nationales et régionalisées, la contribution des territoires aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Ce sera aussi l'occasion de réaffirmer l'importance de la solidarité énergétique entre les territoires via le réseau public de transport et de distribution et la péréquation. Les modalités de financement des projets permettant de mieux inscrire la transition énergétique dans les territoires doivent s'inscrire aussi dans cette solidarité. Ensuite, afin de renforcer l'ancrage territorial des projets, le CESE recommande de renforcer les retombées économiques locales. Il s'agira, par exemple, de consacrer une part du coût des chantiers d'énergie renouvelable à des entreprises et des emplois locaux. Il s'agira également de revoir l'affectation des retombées fiscales pour refléter au mieux la distribution des impacts et améliorer la prise en compte de la biodiversité. Le CESE préconise enfin, comme dans plusieurs de ses avis antérieurs, de renforcer l'éducation et l'acculturation à la transition écologique pour sensibiliser le plus grand nombre et renouveler les imaginaires. L'acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique est un enjeu fondamental, car cette transition ne pourra pas se faire sans une adhésion importante de la population. Si nous ne serons pas tous concernés par une éolienne visible par la fenêtre, notre fenêtre, nous aurons tous à faire évoluer nos modes de vie pour consommer différemment et consommer moins. Les dimensions de ces évolutions ne sont pas encore connues, et pourtant elles sont proches. Elles dépendront en partie de notre capacité à équilibrer et compenser les efforts de chaque territoire, à accompagner ceux qui vivent une sobriété contrainte, à faire bon usage des innovations sans attendre qu'elles nous sauvent de nous-mêmes. Il ne faut pas croire qu'il suffira de substituer une énergie à une autre pour régler tous les problèmes sans que nos modes de vie ne changent. Il ne faut pas croire que l'on pourra se passer d'éolien terrestre facilement, technologie mature et rentable, en la remplaçant par davantage d'éolien offshore ou de photovoltaïque. À grande échelle, ces technologies rencontreront les mêmes difficultés d'acceptabilité. La crise climatique et la crise énergétique ne vont faire que réduire nos marges de manœuvre et rendre plus difficile notre transition énergétique. Si nous ne voulons pas que ces crises nous renvoient violemment aux limites de notre société des hydrocarbures, il nous faudra rapidement choisir nos orientations nationales et leurs déclinaisons locales, dans un souci de solidarité et de partage, afin de rendre désirable cette transition espérée. Ce projet d'avis propose des dynamiques à même d'améliorer la situation de l'acceptabilité des ENR et ouvre des pistes de réflexion pour des avis ultérieurs plus ciblés. Il trouvera aussi un écho avec les futurs travaux du CESE sur la SFEC et les débats à venir sur l'énergie. Depuis plus de 10 ans, le CESE apporte ses analyses pour améliorer la compréhension des enjeux de la politique énergie-climat de la France et ses implications sociales. Il est bien placé, par la diversité des organisations qui le composent, pour savoir que même au nom de l'intérêt général, les décisions à prendre ne sont pas toujours facilement acceptables. Le CESE considère que ces difficultés ne justifient pas de reporter à plus tard des mesures qui n'en seraient alors que plus coûteuses et plus brutales. Il incombe à une véritable politique publique de tout mettre en œuvre pour les accompagner, en gardant à l'esprit que le processus d'élaboration des décisions est déterminant pour rétablir la confiance autant que les décisions elles-mêmes. Merci de votre attention. Merci au... président de notre... Oui, nous tenons à remercier aussi, Nicolas et moi,
Bien sûr, Sylvain Moufran, le président de notre commission, qui a animé vraiment de façon très dynamique et participative nos débats qui ont été fort, fort nourris en commission de l'environnement. Nous remercions vivement aussi l'administration qui a été vraiment formidable pour tout réaliser dans les délais qui étaient quand même très serrés et organiser la grande masse d'entretiens et d'auditions que nous avons conduits, y compris le déplacement de terrain. Et bien sûr, nous remercions tous les conseillers et les conseillères pour leur participation extrêmement active, orale, écrite, en visio, en direct. Voilà, merci beaucoup pour ce travail collectif. Et puis merci aux personnes qui ont directement contribué également et que j'aperçois là-haut à la tribune. Voilà, merci. Merci aux deux rapporteurs et je m'associe plus largement aux remerciements qui viennent d'être prononcés. C'est maintenant le temps de l'intervention des groupes. Pour le groupe Environnement et Nature, c'est Élodie Martini-Cousty qui va intervenir. Et au nom des groupes Agriculture et Coopération, Pascal Ferré se prépare. La France est très en retard en matière de déploiement d'énergies renouvelables. C'est même le seul pays européen qui n'a pas atteint son objectif en 2020. Pourtant, il est essentiel d'accélérer fortement d'ici 10 ans nos engagements pour d'ici 10 ans pour tenir nos engagements européens et nous conformer à l'accord de Paris. Il s'agit de reporter la production d'énergie de sources fossiles vers des sources renouvelables, car quoi qu'on en pense, le nucléaire nouveau ou ancien ne pourra répondre aux besoins dans les délais. Éoliennes, méthanisateurs, panneaux photovoltaïques sont des infrastructures visibles dans les paysages de nos territoires, au plus près du cadre de vie des citoyens, ce qui soulève des questions d'acceptabilité et de partage de l'effort pour réussir la transition. Cette saisine gouvernementale interroge donc le CESE sur les manières de consulter, débattre et choisir du local au national sur ce qu'il conviendrait de faire pour améliorer l'acceptabilité des projets et remplir nos objectifs. Cet avis, remarquablement centré sur la dynamique sociale de la transition, insiste sur des recommandations pour la plupart maintes fois demandées par les acteurs environnementaux dans les débats territoriaux et nationaux. Mais l'avis pointe aussi des reculs récents en matière de participation du public et des régressions quant à la mise à disposition du public d'avis et d'expertise technique indépendante pour détailler enfin les fondamentaux d'une transition choisie au lieu de subie. Nous plébiscitons particulièrement les recommandations suivantes. 1, 2, 7, c'est-à-dire qu'au niveau national, il faut planifier le développement des ENR en recherchant des espaces plus consensuels et légitimer ses choix avec la Commission nationale du débat public, dans le cadre de la SFEC notamment, et en associant le CESE. La 5 et la 19, où il faut répartir équitablement l'effort entre les foyers et flécher les taxes des ENR en priorité vers la lutte contre la précarité énergétique et en partager les retombées économiques. La 9, l'importance de concilier transition énergétique et biodiversité en mettant en œuvre le principe éviter, réduire, compenser. Et enfin, la 12 et la 13, où il faut systématiser la concertation pour tout projet en veillant à garantir une représentation équitable de tous les publics. Pour conclure, cet avis que nous voterons est encore plus opportun au moment où la guerre en Ukraine fait exploser le cours des énergies fossiles et exige d'accélérer cette transition. Dans le même temps, nous resterons très vigilants sur la prise en compte des études d'impact environnemental alors que le gouvernement vient d'annoncer la mise en concurrence de projets d'éolien flottant en Méditerranée dans des zones très riches de biodiversité Natura 2000. Nous demandons au gouvernement de nous répondre sur ce point. Et de manière générale, nous appelons le futur gouvernement à considérer cet avis comme la référence pour construire des conditions de l'acceptabilité de la transition énergétique. Et nous vous remercions énormément, Nicolas et Claire et la Commission pour ce travail remarquable. Merci à vous. Merci. Donc Pascal Ferré pour
les groupes agriculture et coopération, Maria Eugenia Mignot-Verscher, pour le groupe des non-inscrits, lui succédera. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chère Claire, cher Nicolas. Un grand merci d'abord à vous d'avoir pu, au travers de moult relations, entretiens, consultations, avoir imprimé un rythme soutenu pour être sur un sujet qui aurait pu être un peu détonnant. Merci aussi à notre Président qui, par son flegme, sa sérénité, a pu conduire ses travaux avec la patience qui était nécessaire, mais aussi la passion qui était de règle, parce que ce sujet sur l'acceptabilité sociétale est un sujet qui est effectivement extrêmement prégnant pour l'ensemble des territoires. La politique énergétique est un sujet essentiel pour tous les secteurs de production et pour tous nos compatriotes. Au-delà du drame que représente la guerre en Ukraine pour les populations civiles, ce conflit a déjà un impact dans notre pays sur le coût de l'énergie et nous impose de renouveler nos réflexions et nos actions sur nos dépendances énergétiques. Depuis plusieurs années, les changements sont à l'œuvre sur la trajectoire énergétique de notre pays. De nombreux paramètres sont à prendre en compte, voire rééquilibrés. La production d'énergie nucléaire, nos dépendances aux importations, nos consommations, voire encore les solutions alternatives. Nous avons dit lors de nos travaux, et nous voulons le rappeler ici, le secteur agricole, sylvicole, dans toutes ses composantes, qu'il s'agisse des exploitations individuelles, des groupements, des coopératives, est une source de solutions pour la production d'énergie nouvelle, s'inscrivant pleinement dans la transition énergétique. Notre secteur a une réelle capacité à valoriser les ressources locales, par la méthanisation de la biomasse, par exemple, les installations agrivoltaïques ou la production de biocarburants. Les agriculteurs, les sylviculteurs contribuent ainsi au mix énergétique français et élargissent leur mission vers de nouveaux services. Ces actions sont en cohérence avec les politiques publiques territorialisées énergie-climat et participent au renouvellement des réflexions sur les liens entre agriculture, société, territoire et développement local. Pour assurer un développement pérenne, il faut aussi soutenir la recherche, une réglementation stable, en garantir le prix au travers de contrats. Nous avons eu à regretter il n'y a pas très longtemps que ces conditions ne soient pas suffisamment soutenues, voire défendues par les pouvoirs publics. Il faut aussi, et c'est une préoccupation de notre monde, que ces nouvelles trajectoires et solutions énergétiques soient adoptées par le plus grand nombre. Sur ce point, nous ne pouvons que partager avec les rapporteurs les discussions que nous avons eues au cours des travaux de la Commission et qui se retrouvent dans les différentes préconisations. Il est important d'insuffler une culture nouvelle auprès des populations pour qu'elles s'approprient des enjeux, de la nécessité de changer des opérations, tout en étant pleinement consultées. Lors de nos débats, nous avons aussi beaucoup échangé sur les équilibres à trouver entre les possibilités d'investir pour les acteurs des énergies renouvelables et les freins qui pourraient constituer sur la multiplication des concertations locales. Pour nous, la recherche de cet équilibre est essentielle. Toutes les activités productives ont un impact sur l'environnement et le nier serait contre-productif. Par contre, toutes les conséquences doivent être mesurées, évaluées par des arbitrages et doivent être faites pour préserver à la fois l'activité économique et le confort de vie de nos compatriotes et la qualité des écosystèmes. Un point aussi important, c'est la sécurisation juridique qui a fait beaucoup parler entre nous, raccourcissement des délais par exemple. Il est nécessaire effectivement que l'ensemble des recours puisse se faire dans un laps de temps contraint, de manière que la sécurité des investisseurs puisse être prise en compte. L'espace rural a été bien souvent au cœur de nos discussions et nous remercions les rapporteurs d'avoir bien voulu non seulement l'entendre, mais aussi le partager. Il est important que chacun se rende compte que l'implantation d'infrastructures, quelles qu'elles soient, comme les éoliennes par exemple, demande un sacrifice aux populations qui vivent dans ces espaces ruraux. Leurs exaspérations et leurs inquiétudes doivent être prises en compte. La profession agricole dans son ensemble, les acteurs du milieu rural, sont très soucieux d'un bon encadrement du développement des infrastructures d'énergie renouvelable. Nous avons, par exemple, mis en place en 2021 une charte de bonnes pratiques pour un développement raisonné de l'énergie solaire photovoltaïque. Ce type d'initiative est aussi un facilitateur de l'acceptabilité des projets. Encore une fois, un grand merci à vous, un remerciement, bien entendu, à l'ensemble des membres de la Commission. Ces débats furent riches, intenses, mais toujours constructifs.
Le groupe de l'agriculture et le groupe de la coopération voteront en faveur de cet avis. Merci Pascal. Pour le groupe des non-inscrits, Maria Eugenia Mignot-Vercheur et Evan Jeanne-Rose, pour le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, se prépare. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Madame et Messieurs les rapporteurs, les groupes de non-inscrits saluent le travail mené par Claire Bordenave et Nicolas Richard, en particulier sur les propositions d'intégration du public au processus d'élaboration et de la mise en place du suivi d'un projet d'infrastructure environnementale. Si l'on se réfère aux différents sondages, il existe une importante dichotomie entre la nécessité de la transition écologique et l'acceptabilité des projets. En effet, compte tenu de l'urgence climatique à laquelle on fait face, les engagements internationaux de notre pays, tels que la réduction des gaz à effet de serre d'ici à 2030, l'attente à la neutralité carbone en 2050, il est nécessaire de promouvoir de nouvelles sources d'énergie non fossiles. Pour cela, comme partout ailleurs, l'adhésion du public dépend avant tout de la transparence des pouvoirs publics et d'une réelle coordination entre l'État et les intercommunalités. Cependant, face à un manque d'information, de nombreux comportements de défense ou de repli se manifestent en opposition à ces projets. Parmi les préoccupations et l'acceptabilité des projets d'infrastructures environnementales, les secteurs de l'éolien terrestre et maritime, les parcs photovoltaïques au sol et les méthaniseurs sont ceux qui reviennent le plus souvent dans les débats publics. En cause, les refus des citoyens de voir leur paysage modifié ou la crainte d'atteinte à leur environnement. Aujourd'hui en France, bien que la préoccupation environnementale soit présente au sein de l'ensemble de nos concitoyens, l'attente est forte en ce qui concerne la transparence. Il devient donc impératif pour l'ensemble des pouvoirs publics de créer une vision sur le long terme pour une meilleure transition écologique, afin que tous les citoyens se sentent à la fois acteurs, producteurs et décideurs. Pour ce faire, les leviers sont nombreux. Les groupes de non-inscrits accordent une importance particulière à la concertation, comme le propose l'avis, et cela commence par un grand débat public national, sur les stratégies françaises énergie-climat et l'impact prévisible sur nos modes de vie. En effet, il faut que les pouvoirs publics comprennent qu'il est nécessaire d'établir un dialogue très en amont avec les parties prenantes tout au long du processus en impliquant l'ensemble des acteurs locaux, élus, habitants, associations locales, afin d'établir un projet commun. Enfin, il ne faut pas oublier que l'acceptabilité doit également tenir compte de la complexité des territoires et de leur histoire. Il s'agit d'une démarche dans laquelle toutes les dimensions à la fois économiques, sociétales, juridiques peuvent avoir un impact considérable sur la biodiversité et les paysages, et tout cela ne devrait pas être négligé. Le groupe des non-inscrits n'a pas adopté une position commune sur ce texte. Je voterai cet avis. Merci, Evan Jeanne-Rose, pour le groupe Organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Evan précède Touyane pour le groupe des Outre-mer. D'emblée, nous souhaitons féliciter les rapporteurs et la Commission pour un avis qui traite d'un sujet cher au groupe, mais qui transparaît trop peu habituellement dans nos travaux. Ce texte s'interroge sur les représentations socialement partagées comme étant l'espace réel du débat sur les transitions à venir.
la part irrationnelle ou subjective de la démocratie et la prise en compte des imaginaires qui structurent nos sociétés. Car pour réussir cette transition, il ne suffit pas de planifier, d'objectiver et chiffrer, de programmer et établir des stratégies. Toute la difficulté de ces projets réside dans la recherche d'une acceptabilité démocratique et non pas seulement d'une acceptabilité rapide et peu coûteuse. Le groupe a très vite questionné ce terme qui pourrait venir tout droit du management de projet dans une seule optique de réduction des risques. L'acceptabilité met en cause le comportement des citoyens sans questionner la méthode par laquelle un projet s'inscrit dans des dynamiques sociales et territoriales. Or, celle-ci doit respecter et intégrer délibérément le vécu et le ressenti des citoyens envers les politiques publiques, leur territoire de vie et les infrastructures qui s'y installent. Sans cette prise en compte sincère, c'est une méthode qui ne peut qu'être vécue que de façon brutale. C'est une méthode qui ne peut être que vécue de façon brutale car elle ne s'appuierait alors que sur la réduction déshumanisée du risque financier ou politique. Pour cela, il est nécessaire de sortir des seules logiques d'objectivation et du paradigme technocratique qui trop souvent invisibilise, voire domine, sur les dynamiques et représentations sociales. Il faut rendre les projets appropriables, négociables et compréhensibles par tous et toutes tout au long du processus. Assurer le caractère démocratique de ces projets d'infrastructure, c'est donc entendre, écouter et s'autoriser à co-construire. C'est pour les porteurs de projets ajouter une exigence démocratique aux exigences écologiques et financières. C'est à l'autorité publique de s'en assurer et de garantir une place légitime aux habitantes et aux habitants dans les projets qui les impactent et les concernent, même dans les dimensions socioculturelles qui paraissent les plus irrationnelles et proviennent de nos imaginaires. Cet avis nous le rappelle, nous ne faisons pas de politique seulement avec de la rationalité à tous les niveaux, et l'humilité nous oblige à le considérer pour tout le monde, même ici. Cela se retrouve dans cet avis et c'est très encourageant. Car nous devons accélérer cette transition, mais nous ne pourrons pas le faire sans embarquer tout le monde, sans reconsidérer l'impérative nécessité de faire place à des méthodes qui sortent de nos pratiques traditionnelles et qui visent des appropriations individuelles et collectives. L'éducation populaire, ce qui découle de sa pensée ainsi que de ses outils, peut nous aider à faire émerger une transition écologique choisie et non subie. Toutefois, nous avons encore quelques regrets sur cet avis, sa difficulté à affirmer qu'il nous faut un véritable changement de paradigme afin de réussir la transition énergétique, il ne suffira pas de laisser la main invisible construire des éoliennes. Il nous faut sortir de la seule loi du marché pour le secteur de l'énergie et appeler un État stratège qui investit, régule et planifie une transition devenue nécessaire pour permettre à chacun de vivre dignement dans les prochaines années. Quoi qu'il en soit, l'avis permet également de rappeler que la question de la justice climatique n'est pas un concept lointain et que les inégalités sociales de notre pays sont synonymes d'inégalités climatiques, tant dans la pollution générée que les conséquences négatives des transitions à venir. Sans une stratégie de long terme prenant en compte les inégalités sociales, la transition impactera les personnes les plus précaires. Cet avis dit beaucoup. Merci au rapporteur et à la commission pour ce travail que nous voterons très favorablement. Merci, donc Touyane pour le groupe des Outre-mer, et le temps qu'il rejoigne le pupitre, j'ouvre le vote sur ce projet d'avis. Le vote est ouvert pour 10 minutes. C'est Dominique Joseph qui lui succédera pour le groupe Santé et Citoyenneté. Monsieur le Président, chers collègues, Yaorana, sommes-nous dans un monde de paradoxes ? Aujourd'hui, nul n'ignore que le développement de nos sociétés basées sur l'idée de ressources infinies ne peut perdurer et exige des mutations écologiques et énergétiques urgentes. Pourtant, l'impératif dynamique transitionnelle dans laquelle nous nous sommes engagés, par la mise en place d'actions ou de politiques publiques, est souvent contesté par une partie de la population. Parler de transition écologique suppose de mettre l'accent sur des défis environnementaux majeurs que nos sociétés doivent s'emparer, mais au-delà, elle pose plus globalement la question de l'appropriation sociale de ces enjeux. Car le constat de l'épuisement de nos ressources naturelles du fait de notre mode de consommation, de l'impact du réchauffement climatique, s'est systématiquement construit autour des scientifiques, d'experts et de décideurs publics. La lutte contre les effets du réchauffement climatique s'est souvent réalisée sans nécessairement d'implication citoyenne. Dans bien des cas, les populations ont eu le sentiment de subir ces politiques écologiques
et les effets, les efforts, excusez-moi, consentis ont été perçus comme facteurs d'aggravation des inégalités. Cette affirmation est d'autant plus vraie dans les Outre-mer que les transitions historiques n'étaient pas terminées, qu'ils devaient déjà s'engager dans celle de l'écologie. En effet, comment transformer et préparer les ultramarins, les territoires et les économies à de nouvelles transitions lorsqu'il a récemment fallu une loi pour porter le concept d'égalité réelle? Ou lorsqu'on observe encore des écarts et des retards de développement depuis la départementalisation, tant les inégalités demeurent prégnantes en matière de dépenses d'investissement pour les infrastructures de base, de transport, d'électricité ou de logement. Comment trouver un point d'équilibre entre nécessaire développement insulaire et transition écologique lorsque nous sommes encore contraints d'importer massivement des ressources fossiles et de surcroît dans des zones non interconnectées? C'est par conséquent à ce prix que nous devons concilier impérative transition territoriale et transition énergétique. En effet, de par la situation démographique, économique, géographique, institutionnelle et sociale, les Outre-mer constituent des lieux privilégiés de recherche et d'innovation dans le développement durable afin de s'adapter au changement climatique. Toutefois, c'est à la lumière de projets de société propres à chacun qu'il convient de co-construire les plans pluriannuels de l'énergie dans les régions d'outre-mer, par exemple, ou les contrats de partenariat avec l'État dans les collectivités d'outre-mer pour atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. L'exemple des Outre-mer aurait pu éclairer la construction de ce texte. D'ailleurs, nous regrettons le silence de cet avis sur les expériences réussies en provenance de nos territoires. Il n'en reste pas moins que les transitions, qu'elles soient territoriales, écologiques et énergétiques, ne doivent ni être cloisonnées, ni être subies, mais doivent naître d'une ambition collective et co-construite pour emporter l'adhésion du plus grand nombre. Malgré nos regrets sur la dimension ultramarine, le groupe des Outre-mer votera cet avis. Merci. Merci. Dominique Joseph pour le groupe Santé et Citoyenneté. Puis, en suivant, ce sera Fanny Arave pour l'UNSA. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, l'appropriation est un préalable à l'implication de la société pour atteindre un objectif donné. Les mesures en faveur de la transition écologique, même si leur nécessité est aujourd'hui partagée, doivent ainsi répondre aux attentes et aux besoins exprimés par les citoyennes et les citoyens, car il ne peut y avoir de transition sans leur implication. En croissance régulière depuis plusieurs années, les énergies renouvelables représentaient 19,1% de la consommation finale brute d'énergie en 2020, pour un objectif fixé à 23%, et porté à 33% à l'horizon 2030 par la loi relative à l'énergie et au climat de 2019. Pour atteindre cet objectif, il faut donc accélérer l'implantation de nouvelles infrastructures, mais comme le souligne le projet d'avis, en tenant compte des réalités territoriales et sociales. Cette justice climatique doit donc être au cœur des politiques publiques. Les risques pour la santé liés au réchauffement climatique sont avérés. Et le groupe Santé et Citoyenneté rappelle qu'il est responsable d'au moins 150 000 décès par an, chiffre pouvant doubler d'ici à 2030, et qu'il provoque une augmentation des maladies infectieuses et respiratoires. Le dernier sondage de la Croix-Rouge et du groupe mutualiste Aesio met en avant que 54% des Français se sentent mal informés sur ces questions. Pour répondre à ces enjeux d'information et pour prévenir ces augmentations, nous manquons non seulement de politiques de santé publique, mais aussi d'une communication large auprès des publics. C'est le sens de la préconisation 8 de ce projet d'avis qui vise à intensifier les efforts de recherche et de communication. Il est clair que la question de l'indépendance énergétique rend aujourd'hui encore plus urgente la nécessité d'accélérer l'implantation d'infrastructures de production d'énergie renouvelable en France. L'acceptabilité de ces infrastructures
sera pleine et entière si les choix qu'elle impose s'inscrivent dans le cadre de la plus grande légitimité démocratique possible et en cohérence avec des politiques de réduction des inégalités sociales et de sauvegarde de la biodiversité. Le projet d'avis démontre l'intérêt à la fois économique et en termes d'emploi de ces infrastructures, emplois locaux et non délocalisables. Par ailleurs, de nombreux projets adoptent dès maintenant un statut coopératif ou de l'économie sociale et solidaire, porteur d'ancrage local, de gouvernance démocratique et à finalité non spéculative. Enfin, l'enjeu pédagogique s'avère incontournable. Aussi, l'éducation à l'environnement et au développement durable est un levier essentiel pour dépasser l'inertie, le scepticisme et donc l'inaction. C'est aussi un préalable indispensable à toute démarche de concertation et de participation des citoyennes et des citoyens. C'est dans ce sens que le projet d'avis recommande de renforcer l'éducation à la transition écologique à tous les âges et dans tous les espaces de la société. Après avoir remercié les rapporteurs, le président, les membres de la commission, le groupe Santé et Citoyenneté votera sans sourciller le projet d'avis. Et avec plein de sources. Merci. Merci Dominique. Fanny Arave pour le groupe de l'UNSA. C'est Claire Tutonui pour le groupe Agir Autrement pour l'innovation sociale et environnementale qui lui succédera. Quels que soient les scénarios de RTE, ADEME, etc., les indispensables mesures de sobriété et d'efficacité énergétique devront s'accompagner d'une plus forte production d'électricité pour conduire la substitution des énergies carbonées. Cette mutation énergétique s'accompagne d'une relocalisation de la production et des infrastructures associées sur notre sol. De ce qui s'y faisait loin, n'était pas visible, plus visible, mais qui se faisait quand même, et heureusement aujourd'hui en plus vertueux. Cet avis a remarquablement analysé l'ensemble des freins sociaux, économiques et territoriaux, le manque parfois de cohérence d'ensemble et les courants parfois passionnels qui sont en jeu. Du NIMBY au NINA, c'est notre relation à notre territoire, au patrimoine, y compris paysager, mais aussi la juste participation de chacun à cet effort collectif qui est ici interrogé. Et il apporte des réponses aux différents champs. L'UNSA approuve l'ensemble des préconisations qui vont dans le sens d'une meilleure coordination et planification nationale. L'énergie est un secteur stratégique, y compris l'ENR. L'acceptabilité ne pourra se faire sans instruire les outils d'une élaboration équilibrée et régulée entre les territoires, mais aussi les acteurs. Ainsi, la reconnaissance de la valeur patrimoniale d'un paysage est une bonne chose, à condition qu'elle n'amplifie pas des distorsions sociales en s'adossant à la valeur patrimoniale des biens. Si les cartographies sont à généraliser, les référentiels et critères de sélection des sites sont, eux, encore donc à construire, y compris sur les évaluations économiques, cycle de vie, investissements supplémentaires induits, etc. Et plus encore, de légitimer cette politique par un débat parlementaire, bien sûr, mais aussi via un grand débat public national sur la stratégie française énergie-climat. De même, il nous paraît indispensable d'améliorer la cohérence entre les différents programmes et documents de planification intersecteurs, PPE, SNCB, mais aussi biodiversité, et plus encore, interstrates territoriales via les Stradet, Scott, PLU. Dans un autre registre, l'UNSA s'inscrit dans les préconisations sur la transparence financière, les dispositifs visant à mieux redistribuer les retombées économiques et financières sur le territoire des projets de transition énergétique, en ciblant prioritairement les plus affectés et fragiles. Afin d'améliorer itérativement les critères d'évaluation, il est nécessaire d'initier et préparer les indicateurs de suivi des projets et systématiser le retour d'expérience. Mais quelle que soit la qualité des outils de légitimation des projets, il est illusoire de penser accélérer leur construction sans instruire de véritables procédures de déploiement qu'il inclut le plus en amont possible des concertations qualitatives et surtout inclusives, afin que toutes les personnes concernées puissent véritablement s'exprimer. La construction d'une filière industrielle, des entreprises s'appuyant sur des compétences locales, avec des emplois qualifiés et certifiés, ne pourra que consolider le développement et la confiance. L'UNSA votera l'avis. Merci. Claire Tutonui pour le groupe Agir Autrement pour l'innovation sociale et environnementale. Et pour le groupe des familles, c'est Marie-Josée Balducci qui lui succédera. Chers collègues, chers Claire et Pascal, les travaux des rapporteurs et les débats en commission ont considérablement fait avancer la compréhension des blocages. Un grand merci. Leur point commun pourrait être ainsi résumé.
malgré des avantages locaux, d'ailleurs variables, emploi, versement de taxes et surtout collectif, décarbonation, ces grands projets d'infrastructure suscitent souvent un sentiment de relégation et d'une certaine injustice économique et environnementale, avec une fracture entre ceux qui profitent et ceux qui subissent les nuisances. Et personne ne peut en effet accepter une infrastructure énergétique qui est quand même industrielle à côté de chez soi, sans d'une part comprendre le schéma d'ensemble énergétique dans lequel elle s'inscrit, sans comprendre le coût de l'inaction, financier, environnemental, risque de pénurie, et sans savoir, sans avoir confiance, que les avantages et impacts sont partagés entre tous. Pourquoi est-ce que ça n'est pas le cas aujourd'hui ? La réponse doit aller au-delà de la question de l'acceptabilité du secteur, des infrastructures, mais aller jusqu'à la gouvernance de ce développement et la façon dont elle a été organisée. Elle a été pensée pour, d'une part, lancer un mouvement d'investissement et de développement industriel, et d'autre part, en assurer la viabilité économique à long terme. Il y avait une logique de nouveaux secteurs économiques à développer. Et cela a conduit au dispositif actuel de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui fonctionne par appel à projet, par tarifs nationaux, qui met donc en concurrence les opérateurs et qui sélectionne les offres ayant le moindre coût au niveau national. Les opérateurs maîtres d'ouvrage doivent donc sécuriser le foncier et définir le projet technique très tôt avant de le proposer à la CRE. Très tôt, cela veut dire que ces démarches sont menées en toute discrétion commerciale, très généralement, donc avant que les projets n'apparaissent dans le débat public, tout au plus y a-t-il parfois des rumeurs ou de l'inquiétude. Mais une fois, ce n'est qu'une fois que le projet est retenu par la CRE ou par GRDF dans le cas de méthanisation, même s'il fait l'objet de débats publics, il est irréversible quasiment. Les marges d'adaptation sont extrêmement faibles, les coûts sont fixés, et c'est cela qui crée ce sentiment de fait accompli, d'injustice et qui suscite des blocages et des refus. Nous voulons entrer dans une nouvelle phase de développement. La massification souhaitée du déploiement des infrastructures d'énergie renouvelable devrait donc se faire dans une gouvernance différente de la gouvernance actuelle qui ne permet pas cette appropriation. Cette nouvelle logique pourrait être fondée sur la reconnaissance de l'intérêt général du développement et des nuisances, la reconnaissance des nuisances, je veux dire, et sur une intervention en amont plus active des collectivités publiques. Maintenant que la viabilité économique du secteur est avérée, le secteur existe. Ces deux paramètres recréeraient une confiance de la population dans le développement des infrastructures et dans la prise en compte de l'intérêt collectif, local et national. C'est d'ailleurs ce que dit le rapport. Comme le dit le rapport, il vaut mieux un projet un peu plus tard, un peu plus cher, mais qui se fait, plutôt qu'un projet bloqué. Cette idée de changement de gouvernance comme clé de la massification du secteur a été suscitée par les débats en commission dans le rapport, dans la préparation de l'avis, mais elle reste à travailler sur le fond. Il s'agit d'aller plus loin et plus précisément sur les préconisations 3 et 4 du rapport. Notre groupe souhaite cette évolution, par exemple par la mise en place d'un régime qui pourrait se rapprocher de celui d'autres services publics, avec une délibération collective sur les projets en parallèle de leur définition et non pas après sur des projets figés. Comme cela a été fait dans le passé pour nombre d'autres infrastructures d'intérêt collectif, routières, énergétiques ou autres. Donc la définition, comme le dit le rapport, la définition du besoin national est en fait, la répartition entre régions et entre territoires se ferait en descendant, comme dit dans le rapport, mais en revanche, au niveau local, la collectivité pourrait faire des déclarations pourrait faire son propre plan, des déclarations d'utilité publique de travaux, éventuellement dans des formes de délégation de services publics, lancer des appels à projets, à prestataires, sur la base de cahiers des charges locaux, incluant tous les enjeux à la fois techniques, bien sûr, il y a des zones de vent et des zones d'ensoleillement, humains, réduction des nuisances, environnementaux, production d'énergie, bien sûr, mais aussi les différents usages de l'eau, la biodiversité. Et donc, ces enjeux locaux seraient débattus au moment de la définition du projet et non pas seulement après, avec beaucoup plus de délibérations locales. L'électricité pourrait être également vendue au réseau ou utilisée localement, là encore, selon les situations locales. Et donc, ce serait plutôt les collectivités locales qui auraient la main dans cette phase, les opérateurs venant ensuite réaliser un cahier des charges beaucoup plus collectif.
Compte tenu du calendrier de la vie, les rapporteurs ne pouvaient pas y inclure cette piste nouvelle qu'est une réforme de la gouvernance du développement de tout un secteur. Nous proposons donc, et cette proposition paraît partagée, vous avez entendu divers commentaires, qu'un nouvel avis sur la gouvernance du développement des ENR dans le cadre général de la transition écologique soit produit sans tarder. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous félicitons en tout cas vivement les rapporteurs pour leur travail, pour la profondeur de leur réflexion, pour avoir ouvert ces pistes, qui a fait émerger ce changement de perspective, le passage d'un problème d'acceptabilité, la faute à la population, à la définition d'une bonne gouvernance plus intégrée de la transition écologique. Notre groupe votera donc pour cet avis. Merci Claire. Marie-Josée Balducci pour le groupe des familles. C'est Serge Lequeo pour le groupe Alternative sociale et écologique qui lui succédera. Monsieur le Président, chers collègues, chers Claire, chers Nicolas, chers Sylvain, les constats de la vie sont suffisamment étoffés pour dépasser l'idée communément admise. J'ouvre les guillemets, oui, il faut développer les énergies renouvelables, mais les infrastructures ne doivent pas être installées près de chez moi, bien connu chez nos amis anglo-saxons sous l'acronyme NIMBY, Not in my backyard. Alors peut-être aurait-il fallu consacrer un chapitre spécifique à l'éolien offshore qui va concerner une majorité des infrastructures à venir en matière d'ENR, avec un impact non négligeable sur des secteurs économiques tels que le tourisme ou la pêche. Mais cette remarque est en fait, force est de constater qu'en détaillant, en expliquant, en disséquant les inquiétudes, les flous, les manques de données, le présent avis permet de tracer un chemin de crête pour parvenir à l'acceptabilité des projets en associant toutes les parties prenantes au premier rang desquelles se trouvent les familles. Le groupe Famille partage les trois axes d'action et d'attention et souhaite mettre l'accent sur les préconisations qui visent à restaurer la confiance. En premier lieu, la préconisation 1 nous apparaît centrale. Autrefois stratège énergétique, l'État semble aujourd'hui relégué parfois au rang de spectateur. Il doit donc se concentrer sur son rôle de stratège, à la fois planificateur et régulateur en matière d'énergie renouvelable, au travers d'un programme national d'aménagement du territoire, coordonné à sa tête par le Premier ministre. Ensuite, s'agissant de l'incarnation d'une dynamique locale de concertation, la préconisation 13, qui appelle à garantir une représentation équitable de tous les publics, est de nature à renforcer effectivement l'acceptabilité des projets. Il s'agit d'intégrer au projet l'expertise d'usage des habitants le plus en amont possible, ce que ne permet pas aujourd'hui la structuration de l'étude d'impact du projet. Enfin, le troisième volet d'action, avec un nouveau contrat social territorial autour d'un modèle économique équilibré et équitable, retient l'attention de notre groupe. La préconisation 18, qui recherche les voies et moyens pour développer l'économie locale, est particulièrement importante pour les familles vivant dans les territoires où les projets d'ENR seraient développés. Cette préconisation met l'accent sur les retombées positives que les citoyens et les familles vivant sur le territoire concerné sont légitimes à attendre concernant le développement économique local, notamment en matière d'emploi. Le groupe Famille vous remercie, Madame et Monsieur les rapporteurs, pour ce travail extrêmement bien documenté et votera bien évidemment le projet d'avis. Merci. Serge Lequeo pour le groupe Alternative sociale et écologique. C'est Aminata Niakate pour l'artisanat et les professions libérales qui lui succédera. Et je vais clore le scrutin à l'issue de l'intervention de Serge. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Présidente de la CNDP, tout d'abord, notre groupe tient à saluer la qualité du travail collectif produit par la Commission de l'Environnement et tout particulièrement
Ces deux rapporteurs, Claire Bordonnave et Nicolas Richard, travail qui a permis dans un délai relativement court de répondre à la saisine du Premier ministre, grâce notamment aussi au soutien très efficace de l'administration, qu'on tient à remercier. Si l'on suit la tendance actuelle, jamais nous n'arriverons à respecter nos engagements en termes de réduction des gaz à effet de serre. Et cette saisine était donc opportune, dans la mesure où elle permet d'expliquer certaines raisons de ce retard. Nous espérons vivement que notre avis permettra au gouvernement actuel et au suivant de mieux comprendre les tensions et oppositions qui se développent lors de l'implantation de nouvelles infrastructures et que nos préconisations recevront un meilleur accueil que celle de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait justement pour but de proposer des mesures acceptables à la suite d'un débat éclairé entre les personnes représentatives de la société civile française. S'il nous faut réduire notre consommation globale d'énergie, valoriser la sobriété et développer les puits de carbone, il nous faut surtout mettre en œuvre une stratégie nationale débattue avec l'ensemble de la population, mieux expliquer les enjeux et surtout mieux planifier les investissements dans les ENR. Car dans ce domaine, le marché seul nous a montré ses limites. Nous n'atteindrons nos objectifs que si nous parvenons à concilier les enjeux nationaux de la transition énergétique et les enjeux locaux pour les populations qui la vivent. L'acceptabilité sociale ne se décrète pas. Elle se construit dans la transparence, dans la vérité, en dépassant les intérêts individuels, dans la recherche de l'intérêt collectif autour de valeurs partagées. Trop de porteurs de projets font passer leurs seuls intérêts financiers avant l'intérêt général et se soucient trop peu des nuisances et des problèmes soulevés par les riverains, les associations citoyennes et les élus, ainsi que des conséquences à plus long terme. L'implantation actuelle du parc éolien en mer dans la baie de Saint-Brieuc en Bretagne est à ce titre un parfait exemple de ce qu'il ne faut plus faire. Nous soutenons particulièrement les préconisations qui appelle l'État à reprendre et amplifier son rôle de stratège, de régulateur et de planificateur. Celle qui recommande au pouvoir public d'organiser avec la Commission nationale du débat public un grand débat national sur la stratégie française énergie-climat. Préconisation aussi qui recommande que les équipements nécessaires à la transition énergétique soient assortis d'un contrat de service public et qui propose de mieux répartir l'effort entre les foyers en prenant en compte leur niveau de vie. Nous soutenons également la préconisation qui recommande de diversifier les modes de financement des projets en facilitant l'accès au financement public pour les projets citoyens et en incitant les collectivités territoriales et les syndicats d'énergie à se doter de sociétés exploitantes qui prennent en compte l'intérêt général, comme sont les sociétés d'économie mixte ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif. En accord avec le contenu de l'avis et ses préconisations, le groupe Alternative sociale et écologique le votera sans réserve. Merci. Le vote sur le projet d'avis est clos. Pour le groupe Artisanat et Profession libérale, c'est donc Aminata Niakate et Jean-Pascal Thomassé pour le groupe des associations se prépare. Monsieur le Président de la Commission Environnement, chers co-rapporteurs, chers toutes et tous, nos engagements en matière de transition écologique et énergétique nous enjoignent de décarboner nos modes de vie et de production, ainsi qu'à la sobriété dans notre consommation d'énergie. L'actualité, marquée par le dérèglement climatique, les enjeux de la souveraineté énergétique et la flambée des prix des carburants, vient encore conforter la nécessité de s'affranchir des énergies fossiles. Cette transition ne peut avoir lieu sans investir massivement dans les énergies renouvelables. Et l'éolien, terrestre ou maritime, fait partie de la solution. S'il suscite un soutien majoritaire dans les sondages nationaux, une forte hostilité s'exprime parfois dans les territoires. Résultat, peu de nouveaux projets voient le jour et la France prend du retard sur cette filière. C'est dans ce contexte que le Premier ministre nous a demandé de réfléchir aux conditions permettant de favoriser l'acceptabilité de ces projets. Parmi les nombreuses propositions de l'avis, nous retiendrons trois enjeux qui nous semblent essentiels pour restaurer la confiance de la population.
Le premier est de permettre une véritable participation du public à chaque projet, l'instruction des dossiers, ne parvenant pas à lever les oppositions, pas toujours. Il est important d'associer réellement les habitants au projet en partageant avec eux et les élus locaux des informations claires, complètes et transparentes sur la nature du projet, l'identité de ses intervenants et ses retombées pour le territoire. Cela exige une véritable concertation, la plus large et la plus en amont possible, pour tenir compte des réalités locales, entendre les craintes et attentes des habitantes et des habitants, de tous les publics, et surtout prévoir la possibilité de faire évoluer le projet à la lueur du résultat de ces échanges. Ce sont bien de telles conditions de dialogue, de pédagogie et de sincérité qui permettront de légitimer le projet et de limiter les oppositions. Il est à prévoir que certaines résistances subsisteront toutefois. Le développement de la médiation permettra de prévenir certains contentieux et la proposition de créer un médiateur ou une médiatrice de l'éolien est également une préconisation nécessaire. Un autre enjeu que nous retenons est la nécessité d'améliorer la lisibilité et la compréhension des objectifs de la transition énergétique en révisant son pilotage. L'État doit planifier le développement des ENR dans le cadre d'un programme national d'aménagement du territoire après débat au Parlement de la stratégie française énergie-climat. C'est une préconisation que notre groupe salue. Il nous paraît aussi essentiel de faciliter la traduction concrète de ces orientations en associant étroitement les élus et la population des territoires. C'est le sens de la proposition appelant à mener des concertations au niveau des intercommunalités ou des départements pour définir à partir d'un diagnostic partagé les arbitrages à opérer, notamment sur les sites propices d'implantation et sur les conditions à exiger des projets futurs. Cela aurait le double mérite de favoriser l'appropriation des enjeux de la transition énergétique et d'accélérer la mise en œuvre des projets à venir. Enfin, un troisième enjeu auquel notre groupe est sensible, c'est l'évaluation en amont pour les territoires concernés des retombées économiques qu'ils sont en droit d'attendre d'un projet. Nous soutenons à cet égard la recommandation d'exiger des porteurs de projets qu'ils consacrent une part minimale des coûts du chantier à des entreprises et emplois locaux. Il nous paraît également légitime de renforcer les retombées fiscales liées à l'exploitation des infrastructures en faveur des communes qui en supportent le plus d'impact. Ces deux aspects seront également vecteurs d'acceptabilité de cette transition qui doit être choisie. Un grand merci au rapporteur pour cet immense travail et à l'administration aussi qu'on oublie parfois. Et nous voterons cet avis sans réserve. Merci. Jean-Pascal Thomasset, pour le groupe des associations. Marie-Hélène Méling, pour la CFDT, lui succédera. Monsieur le président du CESE, monsieur Boucheron, chers collègues, depuis des années, les associations réfléchissent à la problématique de l'acceptabilité de la transition énergétique. Responsables d'établissements, animateurs de lieux d'accueil, les gestionnaires de ces lieux publics ont engagé des réflexions sur leur parc de chauffage, les consommations électriques ou leur protection thermique. C'est donc fort de cette expérience que nous sommes venus soutenir les dialogues intenses qui ont été menés avec un militantisme très rafraîchissant par Claire Bordenave et Nicolas Richard. Oui, il faut sans l'ombre d'un doute viser à remplacer les combustibles fossiles par des énergies décarbonées implantées dans notre espace national. Oui, il faudra expliquer jusqu'à notre dernier souffle la compréhension des enjeux de la transition énergétique et des trajectoires qui en découlent. Si ces deux items ne sont pas réunis, vous pouvez être sûr que le moindre projet éolien qui verra le jour dans une commune sera voué à l'incompréhension totale de la population. Pour illustrer mes propos, je prendrai pour exemple la ville de Nantua, dont j'assure l'administration légale avec 25 autres élus. L'urbanisme de cette ville, classée en zone patrimoniale remarquable, et la présence d'un lac situé en espace naturel, donne à la DREAL et à l'architecte des bâtiments de France un pouvoir quasi suzerain sur toute décision liée à une modification urbanistique. Le particulier qui voudra changer les tuiles de sa maison et qui ne rentrera pas dans le code couleur de l'ABF verra son dossier rejeté, désavoué, voire son budget d'investissement multiplié par deux. Parallèlement, dans cette même ville, depuis 3 ans, fleurissent dans nos montagnes des parcs éoliens sans que la concertation publique n'ait dépassé le stade de l'enquête. Comment concilier alors l'acceptabilité de ces projets qui font constater le fossé d'incompréhension entre les 2 années de procédure administrative pour changer une tuile et un parc éolien qui arrive en catimini de tous? Oui, pour construire l'acceptabilité, il est impératif de systématiser la concertation pour tout projet. Oui,
il faut que les retombées fiscales de ces implantations éoliennes bénéficient à toutes les communes et à tous les particuliers qui sont impactés par ces installations. Oui, il faut remplir nos sacs à dos de négociateurs de cette si belle expression glanée dans la presse ce week-end, du carburant démocratique. À l'heure de la guerre en Ukraine, le prix du gaz pour les collectivités ou particuliers qui n'auront pas signé de pacte de stabilité avec GDF va être multiplié par 5. Les budgets primitifs pour ces mêmes communes sont tous en train d'être revus soit à la baisse, soit en réfléchissant à une organisation différente, notamment dans les modèles de chauffage. De l'acceptabilité, nous sommes en train de passer en l'espace de quelques jours à un mode de responsabilité de tous les décideurs sur ces modifications liées aux nouvelles infrastructures environnementales. Pour toutes ces raisons, le groupe des associations soutiendra avec force et réalisme ce projet d'avis. Merci. Merci Jean-Pascal. Marie-Hélène Méling pour la CFDT, Valérie Guette pour la CFE-CGC lui succédera. Monsieur le Président, chers collègues, à l'urgence climatique qui réclamait la décarbonation de nos sociétés, les événements tragiques du conflit en Ukraine ajoutent désormais la nécessité de s'affranchir au plus vite des énergies fossiles. Or, si ces objectifs font consensus, la France est malheureusement déjà en retard sur sa trajectoire vers la neutralité carbone. Pour la CFDT, accélérer le rythme est impératif. Cela repose sur une meilleure efficacité et sobriété énergétique, ainsi que sur le transfert des énergies fossiles importées vers des énergies décarbonées, notamment renouvelables, produites dans notre pays. Cette réinternalisation a et aura inévitablement des conséquences visibles dans nos territoires, y compris ruraux. C'est bien ce qui pose actuellement problème et a conduit le Premier ministre à saisir le CESE sur la question de l'acceptabilité de projets d'infrastructure qui, même conformes à la politique climatique nationale, peuvent se heurter à l'opposition de riverains ou d'associations. Comment relancer la dynamique et accélérer le rythme ? Comment passer d'un engagement national affiché, globalement accepté, à des contributions locales choisies et non subies ? Avec ces 23 préconisations, l'avis propose des pistes concrètes qui devraient faciliter l'atteinte de nos objectifs. Sur le fond, nous relevons qu'il fait écho à plusieurs thèmes pointés par la CFDT dans sa réponse à la consultation sur la future stratégie française énergie-climat. Nous y retrouvons la nécessité de s'inscrire dans des trajectoires nationales et locales lisibles et partagées auxquelles les citoyens doivent être associés. La mise en cohérence des différents plans et programmes, l'importance d'une transition juste qui accorde une attention particulière aux plus vulnérables, ou encore l'exigence d'accompagner les filières et l'emploi. En pratique, l'élaboration d'une cartographie du territoire présentant la contribution souhaitable des différentes régions en fonction de leurs spécificités est un préalable. Ensuite, quelle que soit l'ampleur du projet, décideurs, élus, promoteurs et riverains doivent se rencontrer via des dispositifs publics de concertation, en particulier en amont, lorsqu'il est encore envisageable de faire évoluer le projet. Ce dialogue doit se poursuivre régulièrement tout au long de la période d'exploitation et jusqu'au démantèlement. Nous l'avons constaté en Loire-Atlantique, ce dialogue reste possible en partageant les arguments, en intégrant les spécificités locales, avec la volonté d'équilibrer les contraintes et de les compenser. À ce titre, le respect de la biodiversité en appliquant la séquence éviter, réduire, compenser est incontournable. Ce qui vaut ici pour les éoliennes terrestres, sujet central de l'avis, vaut globalement pour la plupart des infrastructures de transition écologique. C'est pourquoi nous validons ces préconisations qui, tout en veillant à assurer des débats de qualité, visent à réduire le temps entre la genèse d'un projet et sa mise en service. Temps trop long aujourd'hui au regard de nos ambitions et de l'urgence à agir. La CFDT a voté ce projet d'avis. Merci Valérie Guette pour la CFE-CGC, Eric Hetz pour la CFTC lui succédera.
Monsieur le Président, Madame, Monsieur le rapporteur, chers collègues, bien que le groupe CFE-CGC ne siège pas au sein de la commission environnement, nous souhaitons féliciter les rapporteurs et les membres de la commission pour le travail effectué sur la saisine gouvernementale relative à l'acceptabilité des projets d'infrastructures environnementales. Une meilleure compréhension par nos concitoyens des enjeux et de la nécessité des transitions et des options possibles est un facteur essentiel de leur acceptabilité. Côté citoyen, il y a tout d'abord un indéniable volet pédagogique à enrichir dès le plus jeune âge, ainsi qu'une meilleure diffusion d'un socle de culture scientifique envers les différentes énergies, leurs atouts et l'impact de leur infrastructure à mettre en œuvre. Côté entreprise, c'est plutôt grâce aux nouvelles politiques sociétales qu'il sera possible d'augmenter l'acceptabilité des parties prenantes. La publication de volets plus qualitatifs dans les reportings extra-financiers élargis permettrait aussi à leurs projets d'être bien plus transparents, voire acceptables et désirables. Comme le prône souvent la CFE-CGC, nous devons être les acteurs du changement vers un monde plus juste, durable et résilient. Nous avons donc cette responsabilité d'être engagés en faveur d'une vision positive et active du dialogue social dans la construction de nos nouveaux modèles au service de l'intérêt général. Plus que jamais, nous devons donc continuer d'être proactifs sur ces sujets et de façonner tous ensemble, avec les citoyens, les pouvoirs publics, les salariés et les employeurs, de nouveaux modèles résilients face aux nouveaux enjeux énergétiques auxquels nous faisons face. Par ailleurs, le groupe CFE-CGC souhaite rappeler que dans sa note, le haut commissaire au plan appelle à un devoir de lucidité en matière électrique et rappelle qu'il n'est pas réaliste d'imaginer un mix électrique 100% renouvelable, y compris pour des raisons comme l'artificialisation des sols, la dégradation des paysages et les montants colossaux à investir dans l'adaptation des réseaux électriques. La France doit donc planifier les investissements dans les infrastructures électriques en privilégiant les technologies matures et maîtrisées par l'industrie française et préserver aux côtés de l'hydraulique le socle nucléaire de son mix électrique. Aussi, cette planification permettra de réduire la dépendance de notre pays à l'étranger d'un point de vue énergétique, mis en exergue par l'invasion russe en Ukraine qui se répercute sur les prix des matières premières. Pour restaurer la confiance, cet avis propose donc de développer la médiation, d'adapter les moyens des services de l'État aux enjeux de la transition écologique, d'organiser un meilleur suivi des projets et de systématiser la concertation et le suivi des projets et d'accompagner le développement économique des projets ENR dans le respect des enjeux liés à la biodiversité ainsi qu'à la santé humaine et animale. Le groupe CFE-CGC se reconnaît dans l'ambition portée par ce projet et l'a voté. Merci. Merci Eric Hetz pour la CFTC. C'est Fabienne Tato pour le groupe CGT qui lui succédera. Monsieur le Président, chers collègues, si tout le monde ou presque est aujourd'hui d'accord pour reconnaître la nécessité de la transition écologique, l'urgence de sa mise en œuvre et l'accélération des réformes auxquelles nos engagements internationaux nous contraignent, il est très difficile de s'entendre sur la marche à suivre, sur les renoncements auxquels consentir, sur les changements de comportement à entreprendre. La transition énergétique fournit une illustration de ce paradoxe. Si l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre est largement partagé, l'implantation de sources d'énergie alternatives aux énergies carbonées est loin de faire consensus. L'implantation de nouvelles infrastructures comme les parcs éoliens, sur terre ou en mer, des centres de traitement des déchets, de grands méthaniseurs, soulèvent en effet des oppositions minoritaires, certes, mais dont l'existence même révèle un malaise. Comment rendre acceptable pour la collectivité ce qui est inacceptable pour les individus? Cela s'apparente à vouloir résoudre la quadrature du cercle. La commission environnement, et particulièrement les deux co-rapporteurs, s'y sont risqués, et à la lecture de l'avis, le groupe CFTC estime qu'ils ont réussi, tant sur la forme que sur le fond. Le titre pose d'emblée le problème. Comment faire en sorte que la transition énergétique, une des composantes de la transition écologique, rappelle le texte, à laquelle nous sommes contraints, ne soit plus subie par les premiers concernés, mais choisie en mêlant astucieusement intérêt particulier et intérêt général dans le respect du bien commun.
Après une brève introduction qui redéfinit le terme même d'acceptabilité et cadre la problématique d'ensemble, la Commission cerne les blocages, les freins et les difficultés que rencontrent les projets d'implantation de nouvelles infrastructures. Le document montre bien qu'ils sont, pour l'essentiel, liés aux procédures à suivre, au manque de concertation, à l'absence de retombées positives pour les populations locales, au délai ou encore à l'évolution des projets initiaux. L'avis avance 23 préconisations auxquelles le groupe CFTC souscrit. Il souhaite cependant mettre l'accent sur plusieurs d'entre elles. À commencer par la première qui prône la mise en œuvre d'une planification et un vaste programme d'aménagement du territoire. C'est en effet, à nos yeux, une nécessité afin de dessiner un projet d'ensemble cohérent à l'échelon national avec des déclinaisons locales. Tout aussi importante est la préconisation 2 qui propose que l'ensemble des acteurs prennent part à la définition de ce projet en lien avec les évolutions possibles des modes de vie. Le groupe CFTC tient également à souligner le caractère indispensable des préconisations 6 et 18 qui recommandent le développement de filières industrielles, sources de création d'emplois locaux directs ou indirects, et avec des retombées pour l'économie locale, pour peu que les porteurs de projets jouent le jeu. Enfin, l'acceptabilité sera d'autant plus forte que tout aura été mis en œuvre pour l'obtenir. Cela passe pour le groupe CFTC par la création d'une instance de médiation des ENR, comme le propose la préconisation 15. Le groupe CFTC remercie la commission environnement et les deux co-rapporteurs pour la qualité de leur travail et a voté en faveur de l'avis. Merci Eric, Fabienne Tato pour le groupe de la CGT et pour le groupe CGTFO, c'est Jean-Yves Sabot qui lui succédera. L'invasion de l'Ukraine par la Russie nous rappelle l'enjeu stratégique de notre indépendance énergétique. La parution le 28 février du rapport du GIEC sur les enjeux d'adaptation et de vulnérabilité nous met face à nos responsabilités pour réduire l'utilisation des énergies carbonées et préserver les écosystèmes. La CGT partage le constat que la France ne tiendra pas ses objectifs de réduction d'empreinte carbone sans une accélération planifiée des investissements en faveur des énergies renouvelables. Nous soulignons la qualité des échanges au sein de la commission environnement et nous regrettons cependant un avis très centré sur l'éolien terrestre. Avec raison, l'avis réaffirme la nécessité de garantir l'intérêt général, la justice sociale et que la trajectoire d'aménagement du territoire permette l'émergence d'une filière industrielle et nous partageons la critique sur la notion de territoire à énergie positive. La CGT approuve la réaffirmation du besoin d'un État stratège et d'un programme national d'aménagement du territoire, préconisation numéro 1. Elle approuve également la préconisation numéro 2 sur la nécessité d'un grand débat public national sur la stratégie française de l'énergie-climat. Les recommandations sur l'information, la transparence et la facilitation des échanges, comme les études sur les coûts, bilan et retombées économiques et sociales des différents types d'énergie, préconisation 3, suivi des projets et mise en place d'une médiation pour l'éolien, préconisation 14 et 15. Elle approuve également le développement d'une filière industrielle des énergies renouvelables et des emplois correspondants, préconisation 6. Pour ces raisons, la CGT a voté ce projet d'avis, mais rappelle ses points d'alerte. La logique de marché, de libre marché est maintenue. La CGT porte une proposition de service public national de l'énergie. En effet, instaurer des contrats de service public reste insuffisant pour développer notamment l'emploi pérenne. Plusieurs recommandations manquent également d'approfondissement. Moyens nécessaires aux services publics à quantifier. Des scénarios cartographiques sont évoqués, mais existent déjà quasi en l'état dans les DREAL, mais sont délaissés faute de moyens. C'est une proposition évoquée dans la préconisation 7. Appel à concertation locale climat-énergie, mais qui ne sont pas rendus obligatoires, se tiendront-elles ? Définition des moyens pour rechercher la contribution des personnes silencieuses, mais comment faire ?
La répartition des efforts de sobriété n'est pas suffisamment articulée non plus avec la réalité d'une précarité énergétique qui s'aggrave, donnée dans la préconisation 5. Enfin, des avis antérieurs appellent à réorienter les choix budgétaires et à renforcer les politiques publiques, mais restent sans effet. Et que dire de l'annonce du gouvernement, sans attendre notre avis sollicité par le Premier ministre, de la mise en place du plan de résilience économique et sociale sur la base du rapport Simplifier et accélérer les implantations d'activités économiques en France, qui va à rebours de nos recommandations. L'énergie, bien de première nécessité, est une question sociale, économique et industrielle dont la CGT demande qu'elle soit démocratiquement débattue en amont de la SFEC. Au sein du CESE, ce débat nécessitera la co-saisine de la Commission économie et finances. Merci. Merci. Jean-Yves Sabot pour le groupe CGTFO. Gilles Vermeaux-Desroches pour le groupe des entreprises. Lui succédera. Monsieur le Président, chers collègues, qu'il s'agisse des projets de nouvelles infrastructures de transition énergétique comme d'autres projets impactant à des degrés divers la vie quotidienne des citoyens, le sujet de l'acceptabilité est crucial. Il implique de la part des porteurs des projets la volonté de l'anticiper en y associant tous les acteurs concernés et en engageant tous les efforts nécessaires afin de rendre l'information la plus accessible possible. Pour le groupe FO, il ne peut y avoir d'un côté les sachants qui tenteraient d'imposer leur projet coûte que coûte et de l'autre les ignorants qui rejetteraient toute évolution en faveur de la transition énergétique qui est une impérieuse nécessité. Une des causes principales de rejet de nouvelles infrastructures de transition énergétique réside dans le fait qu'elles sont implantées dans des zones géographiques relativement préservées et sont parfois vécues, notamment en ce qui concerne les parcs éoliens, comme une remise en cause de la qualité de vie dans les territoires ruraux pour satisfaire les besoins en énergie des grands centres urbains. Or, si l'on se réfère aux propos du président de RTE, les besoins en production d'électricité seront tels à court et moyen terme, d'une part en raison de la transition écologique, d'autre part face à la nécessité d'assurer notre indépendance énergétique, que nous devrons multiplier les moyens de production occupant de plus en plus d'espace. En ce sens, les préconisations incitant à la concertation la plus large, en y incluant la totalité des acteurs concernés, sont frappées de bon sens, comme la nécessité d'instaurer un suivi des projets. Les préconisations 12 à 14 nous semblent primordiales. Nous ne pouvons que souligner, d'ailleurs, et nous féliciter que l'avis, à travers la préconisation 13, évoque l'électronisme et alerte les pouvoirs publics à l'heure où la dématérialisation et la digitalisation sont présentées comme l'alpha et l'oméga de la communication de demain, sans se soucier toujours d'une part non négligeable de la population qui en est exclue. Dans le même esprit, le groupe FO ne peut que soutenir la préconisation incitant l'État à doter les ministères de la transition écologique et de la justice de moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux pour une meilleure efficacité. Hélas, les différentes politiques publiques mises en œuvre depuis quelques années, notamment la révision générale des politiques publiques, vont à l'encontre de cet objectif. La transition énergétique ne pourra aboutir qu'à la condition qu'elle soit efficace et concertée, mais également socialement juste. C'est pourquoi le groupe FO soutient notamment les préconisations visant à réserver une part significative des coûts des chantiers à des entreprises et à des emplois locaux. Une transition énergétique socialement juste doit, dans le même temps, être source de création d'emplois par le développement de véritables filières industrielles, ce que préconise l'avis et que souligne le groupe FO. On le voit, c'est bien de l'adhésion de nos concitoyens au développement des nouvelles installations énergétiques dans le cadre de la transition écologique qu'il s'agit. Mais on ne peut adhérer qu'à ce que l'on comprend et qu'à ce qui nous semble juste. Le groupe FO a voté pour le projet d'avis. Merci. Gilles Vermeaux-Desroches pour le groupe des entreprises. Gilles, tu seras le dernier orateur. Monsieur le Président, Madame la Présidente du débat public, Monsieur le Maire, Nicolas, Claire, l'acceptabilité locale des nouveaux projets et la nécessité d'accélérer les investissements dans les ENR pour notre pays peuvent apparaître en premier lieu comme des objectifs contradictoires.
En effet, la capacité de proposer des délais courts d'installation est une composante clé de la compétitivité et de l'attractivité de la France et de ses projets. Si la loi d'accélération et de simplification de l'action publique a assoupli la réglementation, l'objectif du gouvernement est aujourd'hui de faciliter l'implantation en France des activités qui concourent à la réduction de nos dépendances. L'accélération est indispensable, un sujet rendu encore plus crucial aujourd'hui après les conclusions du GIEC et malheureusement la guerre en Ukraine. Le groupe Entreprises partage la conviction qu'il est nécessaire de s'inscrire dans une trajectoire visible d'aménagement du territoire. Il est en cela très favorable à certaines des préconisations de cet avis, telles que la nécessité de planifier le développement des ENR par un État stratège et planificateur au travers d'un programme national d'aménagement du territoire. Il est aussi nécessaire de mieux partager la stratégie française énergie-climat et d'en reconnaître le caractère programmatique. De même, soutenir le développement des filières industrielles d'énergie renouvelable est essentiel, ainsi que les efforts des comités stratégiques de filières pour opérer des reconversions nécessaires en matière d'emploi. Investir dans la formation est une priorité essentielle pour pouvoir répondre aux défis de la transition énergétique. Toutefois, le groupe Entreprises reste peu convaincu par certaines recommandations de cet avis, car elle favorise peu les conditions d'attractivité pourtant nécessaires au développement des projets. Par exemple, le cumul des préconisations sur le partage des retombées socio-économiques pourrait entraver la dynamique des investissements et entraîner des risques de frein de ceux-ci. D'autant que les études réalisées autour des projets de développement ENR mettent en évidence une très grande disparité dans le taux de rentabilité de ceux-ci, et certains sont déjà bien peu rentable. Nous aurions été plus favorables au développement d'une meilleure stratégie en matière de participation du public au projet, plutôt qu'à une multiplication de ce qui pourrait apparaître comme étant des obligations. Nous aurions été plus sensibles à l'élaboration d'objectifs et de propositions concrètes, privilégiant souplesse et adaptabilité, comme le recommande le Césaire Hauts-de-France, dans son avis, plus sensible au développement de la mobilisation de tous les acteurs et de l'importance de ces projets pour le bien commun qui en découle. Il est urgent d'accélérer le développement des ENR sur l'ensemble du territoire et malheureusement aujourd'hui encore plus, en remerciant Claire, Nicolas, les débats pour l'ambition de vos travaux, car nous devons travailler et construire une dynamique nouvelle, accélérer tous ensemble, changer la trajectoire. Le groupe Entreprises s'est abstenu. Merci Gilles, merci à l'ensemble des oratrices et des orateurs. Donc j'ai clos tout à l'heure le scrutin et vais vous en communiquer le résultat. Votants 160, pour 133, contre 1, abstention 26. L'avis intitulé « Acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique, transition subie, transition choisie » est adopté. Félicitations encore une fois au rapporteur, au président, à la commission pour le travail accompli. Nous nous retrouverons pour nos prochaines séances plénières les mardis 12 et mercredi 13 avril prochain à 14h30. Le 12 avril, nous étudierons le projet d'avis « Comment construire une Europe de la santé » rapporté par Benoît Miribel et Catherine Pajares au nom de la Commission Affaires européennes et internationales présidée par Serge Cambou. Et mercredi 13 avril, la thématique « L'avis soumis à l'Assemblée » est intitulée « Risques émergents et systèmes assurantiels, quelles conséquences et quelles évolutions ?» Ce projet d'avis sera rapporté par Fanny Arave et François-Xavier Brunet au nom de la Commission économie et finances présidée par Jacques Cressel. Notre session est close. Merci de votre participation.